Alors, nous sommes à la cellule isolée pour tester une nouvelle incantation, une incantation qu'on a obtenue en faisant la quête de frère Corinne. Alors, je vais vous la montrer. C'est le soin supérieur. C'est une incantation qui coûte 45 en mana, qui utilise un emplacement mémoire et qui soigne grandement vos alliés proches et vous-même. Ce qui veut dire que vous pouvez soigner vos invocations d'esprit aussi. Et donc, il faut 15 enfants pour l'utiliser. Et si on regarde le détail, soigne grandement les PV du lanceur et de ses alliés proches. Maintenez la commande enfoncée pour continuer à prier et retarder l'activation. Donc, on va tester ça tout de suite. Alors, pour ce test qu'on va faire simplement ici contre le géant, j'ai pris des cendres faibles pour qu'elles prennent des dégâts. Et pour que je puisse vous montrer le soin, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Maintenant, je peux prendre des dégâts moi-même aussi pour vous montrer un petit peu de combien ça soigne. Alors, ici j'ai pris les nobles errants. Je vais les invoquer ici pour qu'ils attaquent notre ami. Voilà. Et moi, je suis prêt à utiliser mes soins. Et c'est parti. On va courir un petit peu ici. Ça va bien l'exciter. Et on va voir ce que ça donne. On va laisser les cendres prendre des dégâts. On est en New Game Plus, hein. Voilà, vous avez déjà vu, il y en a déjà qui sont morts. Voilà, on va soigner. Vous voyez, ça les soigne. Encore une fois, voilà. Voilà, j'ai pris du dégât aussi. Donc on va pouvoir voir ce que ça donne. Et bien voilà. Vous voyez, ça soigne pas mal, hein. Bon, évidemment, comme elles sont très faibles, elles se font zigouiller. Donc, évidemment, c'est moins efficace puisqu'ils se font tuer. Ça consomme quand même pas mal de mana. Vous pouvez retarder le soin puisque vous pouvez garder enfoncé aussi longtemps que vous voulez. Donc ça, c'est le côté positif. On va se mettre ici, au milieu, on soigne et on recule. Vous voyez. Voilà. Alors je prends une petite potion de mana. Alors je me prendrai bien un petit coup de dégâts pour voir ce que ça donne. Voilà. Encore un petit coup pour voir de combien ça va me soigner. Voilà, je prendrais bien encore un petit coup de dégâts. Bon, ça suffit les dégâts. Vous voyez, ça m'a quand même soigné presque à la moitié de ma barre de vie. C'est quand même pas mal. Alors ici, je ne retarde pas, je lance simplement. Et vous voyez, vous pouvez garder vos nobles en vie, malgré qu'ils sont très faibles, en les soignant. On va les laisser faire, hein. Allez, un petit soin. Voilà, on a été interrompu, évidemment. C'est pas malin. Et là, deux rebelotes. Donc ça, il faut faire attention où on se met. Ouais, mais là, il faut faire très attention parce que ça se passe mal. Voilà, un premier petit soin. Un deuxième petit soin ici. Voilà, on les retape. On va les retaper. Voilà. On les retape encore. Oh non, ça marche plus. Il faut recharger de la mana. Enfin, vous voyez le sort de soin un petit peu ce que ça fait. Voilà. Bon, ici, comme je ne combats pas, évidemment. Et voilà, il est mort. Et comme ça, vous avez vu ce que fait ce sort. Vous pouvez l'activer comme ceci en appuyant une fois. Ou vous pouvez le retarder pour attendre que votre allié arrive dans la zone que vous couvrez et vous le relâchez quand vous en avez besoin. Alors inutile de dire que lorsque vous utilisez ce genre de sort et que vous faites que des soins, vous avez intérêt à avoir un équilibre très élevé pour éviter d'être interrompu. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis merci et à bientôt.